بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من خير من سكن إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا إن شاء الله عز وجل نلوم سانتيام سيشيون أن إسبيكاشون عن بريف ليف لارموني دالا بي كونجيغال et nous première partie du conseil mancer donc parmi mes conseils que nous donne mancer afin que je vive un avis mariage, un avis conjugal qui remplit avec harmonie, c'est qu'une madame de tous les temps, une bonne madame de tous les temps, exprime son amour pour son monsieur, par une parole qui doux. Parmi ces bonnes paroles qui doux, ici à vie, pour l'exprimer son amour-là. Et ma parole qui doux, ben, c'est elle est beaucoup, vous êtes plus connu. Comme par exemple, Mogati, elle n'a journée, moi qui ne pense toi, ou bien moi bien content toi. Une parole qui vraiment fait monsieur plaisir. Et à part qui, monsieur, il est pour satisfaire avec vous, il est pour content, il est pour donner réconfort, pas oublier que ce qui est important, c'est que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, les femmes considèrent une madame qui montre qu'il est content son monsieur comme ma meilleure madame, d'après le hadith Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est une madame qui vous montre et vous pouvez faire des efforts pour vous montrer ou l'amour pour monsieur. Exprime-le. Fais même quelque chose qui fait à Saint-Michel la content, qui amène la joie dans la vie et en même temps, pas faire un erreur. Un erreur qui, je vous dis, définit beaucoup. Quand beaucoup madame ignore ce monsieur, ignore la présence de ce monsieur, pas. Surtout dans le monde, quand on a un portable, on a internet, on a un réseau social, parfois, elle m'y dans la case. Madame là, elle agit comme si son présence et son absence, pour lui, n'est pas fait aucun, ni frais ni chaud. Donc, pas fait un erreur pareil. Un autre conseil en commencer, c'est qu'une bonne madame, madame musulmane qui a envie de vivre avec ce monsieur d'une façon qui peut faire Allah plaisir, c'est une madame qui est consciente qu'il n'est pas pour capable d'atteindre cet objectif-là, excepté par rester bien avec son monsieur, son bon proche. Tu connais avoir marié, qui est au monsieur, il y en a maman, il y en a papa, il y en a sur la famille. Alors, quand tu es marié avec lui, tu es conscient de sa réalité-là. Donc, c'est au devoir en vérité, étant qu'il c'est lui qui est un imam, pour vivre bien avec Allah et consolider sa relation. Parmi ban qui nous peut faire ces efforts pour casser sa relation, ce qui est là entre nous, monsieur, et ce ban proche, ou soit nous-mêmes, nous parlons de Banna, nous maltraitons Banna, nous ignorons Banna, nous parlons de Banna, cette figure, et en même temps, comment dire, nous faire tout pour casser sa lien familial, ce qui est là. Pas oublier, ben sœur, quand on fait le marié, et on est où la famille, ou vraiment apprécier quand au monsieur amène nous tout maman ou papa au monsieur les fréquents ou famille mais ce qui ça lui fait au plaisir et si c'est le contraire où tu peux sentir dit sentir où les pieds cassés mais comment on va réaliser ça pour monsieur donc fais ça ces efforts là vine sa madame qui on peut consolider sa relation là et on peut vivre bien envers sa main du monde qui est proche avec vous, monsieur, pas ça, on pourrait être satisfait pour Allah subhanahu wa ta'ala, quand on connaît très bien quand c'est l'emphase qui semble limiter concernant garde bonne relation familiale, consolide relation tissant, tout ça là c'est l'enseignement de l'islam. Allah l'économie, wa sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.